Goedemorgen, Jeffrey Bellewaerde. Welkom in Bellewaerde. We zijn vandaag voor de onthulling van de naam. Van de Discipline du Valmont du Nord, de Nouvelle Attraction, de Dueling Alpine Coaster de Bellewaerde. Dus voor de Dueling Alpine Coaster van Bellewaerde, een unieke attractie in Europa. Een attractie uniek in Europa. On va commencer alors avec le dévoilement, une petite explication sur le nom. We gaan beginnen met de onthulling van de naam en een korte toelichting van die naam. En vervolgens gaan we een werfbezoek doen, zodanig dat jullie alle details van de nieuwe attractie te weten kunnen komen. Après le dévoilement, on va faire une visite chantier pour vous expliquer tous les détails de l'attraction. Et après cette visite chantier, on va aller manger quelque chose dans le Canadian Tea Room. Na het werfbezoek nodigen we jullie allemaal uit om gezamenlijk de lunch te gaan nemen in het Canadian Tea Room. Graag geef ik het woord aan Stéphane Lemay, directeur van het park. Je donne la parole à Stéphane Lemay, le directeur du parc. Welkom iedereen, bienvenue tout le monde. We zijn natuurlijk heel fier om dit grote project aan jullie voor te stellen. Eindelijk, inderdaad, misschien wachten jullie al eentje op info. We zijn très fier de montrer ce projet à vous. Donc c'est un projet unique, même unique en Europe. Donc on peut parler de ça un peu plus tard, mais donc on va pas attendre plus longtemps, on va niet langer wachten. Donc on va appeler nos gens pour aider à dévoiler le nom de notre projet. We gaan de mensen, de bouwvakkers oproepen om te helpen om de naam te onthullen. Rick, met Stéphane, zou dat passen om de kraan te doen overdraaien om het zeil hier op te heffen? Dus we wouden natuurlijk onze mensen niet te lang onderbreken met te werken. De bedoeling is dat er verder gewerkt wordt, dat het evolueert. Want we hopen die attractie zo snel mogelijk in het voorjaar te openen, uiteraard. Nous ne voulons pas interrompre les gens qui sont en train de travailler trop, parce que c'est important quand même que l'attraction est ouverte le plus tôt possible au printemps. Donc, mais le cru est en train de tourner vers notre direction. Dus de kraan is aan het draaien, maar ik zie dat er nog een palletje aan hangt. Dus we gaan die waarschijnlijk eerst best neerzetten. Ofwel is het voor de wind een beetje te helpen te voorkomen dat de hak te veel heen en weer gaat. Donc je vois quand même qu'il y a un petit palette avec quelque chose encore attaché. C'est peut-être le lunch. Non. C'est du matériel. Rick, ma Stéphane. Ik weet niet of dat past dat paletje neer te zetten en te boven te draaien naar hier. Voilà, c'est le moment suprême, même peut-être un moment émotionnel pour nous, pour Bellewaerde, pour l'équipe de Bellewaerde, parce que c'est quand même aussi pour nous longtemps que ce projet a été annoncé en interne, que l'investissement a été annoncé, le chantier est déjà en route, donc nous sommes très fiers. Dus het is al een eindje dat de interne mensen weten dat er een investering zat aan te komen, een grote investering. We zijn natuurlijk ook blij dat we nu uiteindelijk wat meer kunnen beginnen zeggen over dit project, dat we er wat meer open kunnen over communiceren nu. Voilà, ziezo. Als de wind een beetje meer werd, si le vent n'est pas trop fort, ça doit aller. Pak het niet meer in de lucht, Tom. Et Tom et Guido sont deux membres de l'équipe de Bellewaerde qui ont aussi déjà investi beaucoup de temps dans le projet. Il y a des journées, il y a
plus que 50 personnes sur le chantier. Er zijn dagen dat meer dan 50 mensen op de werf zijn om de werken uit te voeren. Voilà. Voilà, voilà. Dus dat is het geworden, Dawson Duel. Hey, misschien een naam die jullie niet onmiddellijk veel zegt. Hey, maar dus Dawson is een stad in het Yukon gedeelte van Canada, dus in de regio van Yukon. Dawson City is ook verbonden met de Klondike sledehondenrace, een internationale sledehondenrace. En Dawson City is daar een verplicht rustpunt, waar dat dus de teams verplicht 36 uur moeten rusten vooraleer ze de tweede etappe van de sledehondenrace aanvatten. He, dus daarom die naam die we gekozen hebben. He, natuurlijk, de attractie bevindt zich in de Canada-zone. He, onze souvenirshop die noemt Yukon. We hebben een Hans Canadese restaurant. We hebben een unieke Canadese zone. En daarom is die link toch wel degelijk te vinden en vonden wij dat ideaal. Hey, er staat ook Duel, hey, Dawson Duel, omdat we dus twee sporen hebben. We hebben dus twee sporen vanaf de start van 25 meter hoogte op de toren. Hey, is er dus een afdaling met twee sporen, twee sledes tegelijkertijd die kunnen afdalen. Hey, dus de link met de sledes, de hondensledes, de link met de Dawson City en de link met het rustpunt bovenaan de toren eigenlijk. Hey, want dus mensen gaan dus naar de toren, naar de top van de toren wandelen op 25 meter hoogte om dan de race, het duel, het vervolg van het duel aan te vatten naar beneden toe met twee parallele sporen naast elkaar. Donc, un nom qui est un peu spécial, qui est un peu unique, bien sûr. Donc, Dawson City, c'est une ville au Canada, dans la région Yukon, où il y a chaque année, en mois de février, à peu près, il y a un race avec des chiens, avec des sleds. Et donc là, à Dawson City, les gens doivent prendre 36 heures de repos. C'est nécessaire de prendre une repos de 36 heures avant qu'ils font la suite du duel, du race. Donc il y a le link avec Dawson City, comme nous sommes dans la zone Canada. Et donc pour ça, comme il y a deux voies, où les gens peuvent faire la descente de l'attraction. Donc il y a le duel, il y a le zone Canada, donc c'est le link idéal, le lien idéal avec Dawson City. Donc les gens vont prendre une balade jusqu'à une hauteur de 25 mètres. Donc ce tour qui est en train de se développer ici va avoir une hauteur de 25 mètres. Donc les gens vont faire une balade entre les arbres, entre les verres, jusqu'à une hauteur de 25 mètres, pour après continuer leur duel sur les deux voies. Donc voilà, comme ça, le nom Dawson Duel était né ici,
Et donc c'est quand même assez unique, c'est unique en Europe. Donc bien sûr, c'est une expérience, ce n'est plus une attraction, c'est une expérience totale pour nos clients, nos familles, avec des enfants entre 6 et 12. Donc ça c'est la vraie raison pourquoi on a choisi ce type d'attraction, ce type d'expérience. Dus deze attractie is ideaal voor families met kinderen tussen 6 en 12. En we zochten een unieke beleving, iets wat je in andere parken niet vindt. En op die manier zijn we ertoe gekomen in de Canada-zone. Een unieke attractie, uniek in Europa. Een uniek concept met twee slides naar beneden, parallel naast elkaar. Vooraf gegaan door een goede stevige wandeling naar boven, tussen de bomen en het groen. En die combinatie is niet te vinden in andere parken en daar zijn we natuurlijk heel trots op. De link met de natuur, met attractie, de unieke mix van Bellewaerde, die is er volledig. Donc ça fait preuve qu'on cherche toujours des attractions uniques pour nos clientèles, les familles avec enfants entre 6 et 12. Et donc comme ça on a trouvé la solution pour notre problème, pour trouver quelque chose qui est unique, qui est familial. Et qui est idéal pour les familles avec des enfants entre 6 et 12. Une expérience dans la nature, dans la zone Canada, sur une attraction, donc une expérience totale. Voilà, je propose qu'on va faire une petite balade sur le chantier pour nous chauffer un peu.